Hey, te voilà! Bienvenue chez moi! Alors déjà, on va commencer par des nouvelles de ma Concordia. Elle est revenue! Expédition, retour, moins de 10 jours. Et ils ont parfaitement recentré la couronne. Donc du coup, ça y est, je me retrouve avec une montre parfaite. Et honnêtement, je pense vraiment que cette montre est parfaite. Au vu du prix demandé, quand on compare avec certaines marques qui se la pètent, là j'ai vraiment l'impression d'en avoir pour mon argent. Là, je l'ai équipée de mon bracelet nylon beige. Cet après-midi, je vais à la playa. Donc faut être équipé, hein! Le short de bain, c'est accessoire. La montre est indispensable. Là, je viens juste aussi de recevoir ma nouvelle montre, dont je te promets une présentation digne de ce nom. C'est marrant, elle est encore plus belle que dans mes souvenirs, quand je l'ai vue en boutique. Donc la prochaine vidéo, c'est sûr, je t'en parle, hein. Obligatoire. Et là, j'ai constaté un truc, c'est qu'on est en train de péter les 550 abonnés. J'hallucine total. Cher abonné, t'es un grand coquin. Tu te reproduis à une vitesse, c'est incroyable. Pire qu'un virus. Aujourd'hui, effectivement, tu connais le sujet de la vidéo. Oui, mon abonné est malin. Il sait lire. Par contre, je sais pas si tu connais Clément de Clément Entreprend. Il y a des chances que si tu regardes ma chaîne, tu le connais déjà, le gars. Bon, je te le présente rapido. C'est simple, c'est le beau gosse qui te présente des montres exceptionnelles. Parce que non seulement il les voit en vrai, hein, les montres, mais en plus il les touche. Je suis super jaloux. Parce que moi, c'est des montres que je ne verrai peut-être jamais dans ma vie, et lui, il les touche. Chanceux. Phénoménal. Et là, dans une de ses dernières vidéos, j'étais intrigué. Il propose des bracelets sur un site de bracelets qui s'appelle, tiens-toi bien, lesbracelets.com. Donc le gars déjà, en plus d'être beau, il est malin. Parce que franchement, les bracelets, le choix du nom est pertinent. Tu peux pas te tromper. Donc je suis très curieux, j'y suis allé, forcément, j'ai regardé. Là, il te propose plusieurs bracelets de type un peu différent. Bracelet cuir, made in France, et un bracelet liège aussi également. C'est hyper original. Ouais, parce qu'en général, quand on achète des bracelets en cuir, c'est toujours des trucs qui viennent d'Italie ou d'Espagne, quand ça vient d'Europe. En France, c'est un peu plus rare. Donc là, du made in France. Choix parfait pour mes montres françaises, du coup. Après, il disait que le prix était peut-être un petit peu plus cher que sur certains sites, et encore que. Et là, ça a l'air d'être de la bonne came quand même. Donc j'ai quelques montres françaises et j'ai bien envie de me les équiper. De toute façon, quel que soit le bracelet, pour nos belles montres, ça reste de toute manière une toute petite fraction du prix. Donc autant y mettre la qualité. C'est un peu bête d'avoir des belles montres comme ça et puis mettre de la daube dessus. C'est con. Donc il propose aussi des bracelets NATO, bracelets d'origine militaire. T'as vu à l'envers, NATO, ça fait autant. Et pas autant on emporte le vent, hein, ça n'a rien à voir. Donc moi ça me parle tout ce qui est militaire. Donc qu'est-ce que je fais? Je fonce. J'en prends trois, carrément. J'en ai déjà un bracelet NATO, mais il est un petit peu moche. Bon, je l'ai payé 20 euros. Là, ils sont proposés à 29 euros et quelques. Ce que je te propose, c'est de rester là où t'es, tu bouges pas, tranquille. Parce que je vais te les faire découvrir. Et avant, je sais que tu t'y attends pas. Je te mets dans l'ambiance. Comme d'hab, une intro de qualité. Ça pique quand même un peu là. Je suis couillon, en plus je sors de l'ostéo là. Que de bonnes idées. Tiens, je sais pas si t'avais remarqué, mais en fait je porte deux montres. Ah oui, j'ai deux poignées, j'en profite. Je suis bien équipé. Évidemment, ma Charlie Paris Concordia. Et une autre montre. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est pour femme. Voilà. Devine ce que c'est. Un petit indice, une montre suisse, mécanique, et qui fonctionne encore parfaitement, qui date des années 50. D'ailleurs, j'en ai deux des années 50. Ça, c'est de l'ultra vintage pour moi. Voilà, peut-être des connaisseurs parmi vous. Bon, mes bracelets NATO. Un truc qui m'a surpris. Bon, je le reçois dans un paquet standard. Papier bulle et tout, donc nickel. Mais il y a un truc auquel je ne m'attendais pas trop, en fait. C'était de les recevoir dans une superbe petite pochette. Et les trois, d'ailleurs, hein, les trois. Donc là, j'ouvre et je découvre un des bracelets. Parfaitement enveloppé dans du plastique. Alors là, ce que je vais faire, je vais m'installer pour bien te montrer le déballage. Et puis, je vais essayer ça sur mes montres françaises. Restons cohérents. Allez, c'est parti. Alors, déjà. Comme je disais tout à l'heure, la première bonne surprise, ce sont ces pochettes. Il y est inscrit le nom du site internet. Donc découvert déjà du premier bracelet NATO. Ils en proposent 4. J'en ai commandé 3. En fait, le seul que j'ai pas commandé, c'est celui qui est un petit peu kaki, parce que j'avais déjà un bracelet en nylon kaki. Donc je voulais un petit peu changer. Et là, j'ai pris que des tricolores. Celui-là, il fait un petit peu marine, j'aime bien. Alors j'espère que vous pouvez voir comme moi. Tiens, un petit détail là sur la boucle, c'est sympa là. LB. Je me demande ce que ça peut bien vouloir dire. Ce bleu marine et ce blanc là, ça se marie très très bien. Quand on le compare à la texture déjà de mon bracelet NATO, 20 euros celui-ci. Il est un petit peu plus cher. Mais bon, il y a déjà une belle différence de qualité. C'est exactement la même matière. Le NATO, ça sera du nylon. Alors pour comparer, on m'a prêté des NATO similaires. Donc c'est thermocollé ici. En fait, et au niveau des boucles, elles sont amovibles et de qualité un petit peu inférieure. On voit que c'est un peu plus léger. On voit parfaitement la différence de qualité au niveau des boucles.
En haut, le natto proposé par les bracelets en fait est cousu. Et c'est vraiment au niveau de la résistance, au niveau des boucles, la qualité de fabrication qui sera supérieure sur celui-ci. Bon, je rappelle, hein, les boucles que vous voyez ici, elles sont faites en 316L, donc de l'acier très résistant, inoxydable. C'est exactement celui qu'on retrouve sur nos belles montres. Tiens, d'ailleurs, c'est cool parce que quand on veut partir en voyage pour transporter nos montres, hop là! Parfait! Et j'adore ce genre d'attention. Eh oui, évidemment! Vive la France! Bon, ben la base, hein, les gars, celui-là. Hein. Faisons honneur à ce joli bracelet. Ouh, que ça va être joli, ça. Oh là là. Bon, allez, place aux essais. Bon, alors, malheureusement, sur cette montre, je ne vais pas réussir à le mettre parce que j'ai pas assez d'entrecornes pour pouvoir l'enfiler. Donc, pas pratique. Dommage. Du coup, on va tenter avec la Charlie Paris. Et je vais lui associer celui-ci. Les cornes sont beaucoup plus longues, donc je vais pouvoir enfiler sans problème le bracelet. Ah oui! Ce bracelet natto ira avec n'importe quel boîtier, à mon avis. Donc ensuite, vous passez la boucle ici. Allez hop, on ajuste. Le kaki, avec ce bracelet, ça y est là. Une belle montre de militaire. Ces bracelets sont préconisés à partir de 16 cm. Donc là, il faudra mesurer quand même la circonférence de votre poignet pour être sûr de ne pas vous tromper sur le site. Je crois que ça va jusqu'à 23 cm. Bon, dommage que je ne puisse pas tester avec ma LIP, mais je vais quand même tester avec ma Charlie Paris. Là, avec cette couleur, mes trois bracelets vont pouvoir lui aller. Ça va être top. Donc là, les bracelets, pompe flash, très facile à enlever. Donc c'est bon, là, je l'ai équipé de pompe. Alors toujours pour vos montres, vérifiez que vous avez assez de longueur au niveau des cornes pour pouvoir enfiler votre bracelet natto. L'association est vraiment parfaite. Vraiment, le natto, c'est parfait pour l'été, ça. Bon, ben je vais finir la journée avec celui-là, c'est parfait. Bon voilà, très bon point là pour cette découverte de bracelet natto. C'est vraiment parfait pour l'été. C'est le genre de bracelet, t'as pas peur de le mettre... Le genre de bracelet que tu peux emporter partout et qui a l'avantage de mettre en valeur ta montre. Enfin, le boîtier, je parle. Donc là, bravo pour ces bracelets. Je serais curieux de savoir s'il y en a un qui en a commandé comme moi. S'ils ont commandé aussi des bracelets en cuir ou en liège, made in France. Parce que là, j'avoue que le liège me fait de l'œil. Ce serait parfait pour Miss, là. Même d'ailleurs pour la montre suisse que je vais te faire découvrir bientôt. Je te mets un lien en description, directement sur les sites, les bracelets, si t'es intéressé. Après, tu fais ce que tu veux. Moi, ça change rien du tout pour moi. Hein. Je touche rien dessus. Hein, Mais je pense que tu passes à côté d'un truc. Oublie pas, on veut le meilleur pour nos montres. Alors autant te proposer un site, pour moi, de confiance, où on te propose des bons produits. Allez, mon cher abonné, reproduis-toi encore, j'adore ça. Je mate en permanence. N'hésite pas à commenter si toi aussi à la maison t'as un pépito qui te gâte aussi pour ton anniversaire. Et puis n'oublie pas de partager la vidéo pour que d'autres gourmands rejoignent l'équipe. Parce que plus on est de fous, plus on rit. Quoique moi des fois j'arrive à rire tout seul. C'est super chelou. J'ai déjà super hâte de te retrouver. Et si on se connaît pas encore, bah, abonne-toi et je te dis à très vite.